C'est parti pour la choré des enfants en hip-hop. Bien sûr, c'est une choré que les ados peuvent faire parce qu'elle n'est pas facile pour les enfants. Mais c'est bien d'avoir de la difficulté, ça nous permet de progresser. Et pour les ados, eh ben, les ados débutants, par exemple, elle est très très bien aussi pour vous. C'est parti, donc on va faire la suite de la choré, mais avant de faire la suite, on va faire l'intro. D'accord? Donc, c'est parti, tout de suite pour l'intro. D'ailleurs, l'intro, je voulais vous la faire écouter. Alors, écoutez ça. Voilà, l'intro, on l'entend là. D'accord? Écoutez. Voilà, donc ça c'est l'intro, on y va tout de suite. Ça fait, je vais hop, taper ma jambe droite. Rappelez-vous que cette jambe c'est la droite, c'est pas comme quand on est en live sur Insta où on est forcément dans le bon sens, mais là il va falloir faire le contraire que de moi. Donc quand je vous dis jambe droite, vous aussi vous devez faire la jambe droite, du coup vous partez de l'autre côté. Mais c'est pas grave, après si vous vous trompez c'est pas très grave, mais si on peut c'est bien. Donc hop, je pose ma jambe droite. Et en même temps, hop, regardez, quand j'ai posé ma jambe droite, je vais faire oui avec ma tête. Et en même temps que je vais faire oui, je vais pivoter comme ça ma jambe. Vous avez vu? Quand j'ai tapé mon pied, je m'avance un peu. J'ai tapé mon pied là, et là, je vais pivoter. Vous avez vu? Je me suis sur la pointe du pied, et mon pied va rentrer, mon genou va rentrer vers l'intérieur pour pouvoir partir après dans ce sens-là. Je refais. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En même temps, je dirai oui, mais ça le fera après. Je tends mes bras et quand je vais tirer mes bras, je ramène ma jambe droite, hop, collée à la gauche. On refait juste ça. J'ai dit, hop, jambe droite. Je fais oui en même temps que je pivote et là, je tends les bras, je ramène. Donc, cette première partie, quand on est là, on va tendre les bras. Donc, mes deux bras, en fait, j'étais comme ça, je fais ça, d'accord? Je suis là, hop. On refait juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum, boum. Et là, quand j'ai tendu ma jambe et mes bras, je vais fléchir comme ça et je vais ramener mon coude. Hop, ici. D'accord? Donc, quand je suis là, 1. Et je pars sur le côté vers la droite. 1. À gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Seulement, en même temps que je fais ça, je commence à descendre. D'accord? Regardez, quand je suis là. Hop, 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 et je descends jusqu'à ce que j'arrive en bas et je remonte. On refait juste cette partie-là. Ça fait 1, je dis oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boum, boum. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'attends le 8, je me lève. Et ça, on le fait deux fois. En fait, on répète deux fois la même chose. Et la deuxième fois sur le refrain, on refait la même chose. Bam, bam, et hop, 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 lève. Donc ça, on va le faire en musique, j'avance un petit peu, juste pour l'intro. Et après même, on dansera le début de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, c'est parti. Ok. J'allais arrêter la vidéo, n'importe quoi. Et donc on s'est arrêté là et maintenant je vous apprends la suite. Donc à vous de remettre toujours les vidéos en arrière, vous savez que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. La suite c'est parti. Ça va faire. Donc on a terminé, on a fait ça, hop et hop. On a ramené là et boum et on a glissé et d'un côté et de l'autre. Et quand je suis là, je m'avance un peu, ça va faire. Mon bras, je vais casser mon poignet comme ça, ça va faire un et. Et vous avez remarqué, quand je casse mon poignet, d'un coup, je fais 1 et. Je le fais en deux fois, je le saccade. 1 et. Encore 3, 4, 1 et. J'ai cassé mon poignet, en même temps, je me suis levé un petit peu. J'ai levé un peu mon bras. 1. Et après, je relève encore une fois. 2. En même temps, ici, je vais faire 1,
Donc je vais avec mon pied, le gauche. Rappelez-vous, là c'est la main droite, là c'est la jambe gauche. 1, 2. Je vais avancer deux fois mon pied. Boum, boum. Donc une fois j'avance un peu, je suis pas un petit peu fléchie, pas trop trop. Et la deuxième fois, je penche vraiment vers l'arrière, comme ça mon genou il se fléchit un peu plus et il avance encore un peu. Vous ferez comme vous pouvez. Et en même temps, quand je fais boum boum et boum boum, je fais les deux, donc bras et jambes, ça va faire boum boum, d'accord? On essaye de faire les deux en même temps. 3, 4, boum boum, encore 3, 4, boum boum, voilà. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. Donc, quand j'ai fini, glisse, glisse, top. Donc, je suis ici, mes bras sont rapprochés de moi. J'ai les jambes qui sont serrées. Et là, d'un coup, j'ouvre, boum, boum. D'accord? Ça va faire 1 et à 2, je ramène tout, hop, ici, 2. Donc, à 2, je suis comme ça, en fait. Mes mains sont là et je suis là. J'ai fait, j'essaie de vous faire un petit 1 et 2. D'accord? 2, je suis là. Cul. On n'a pas beaucoup de place, c'est pas facile. 2, on est là. 3. Alors, regardez à 3. J'étais là et j'ai fait 3. D'accord? Peu importe que votre bras soit dessus, dessous, le droit ou le gauche, on s'en fiche. On est là. Deux coups, on tend les bras et en même temps, hop, ma jambe. D'accord? Donc ici, hop, suis croisée. Je vais ramener mes mains au niveau de mes genoux. Et je vais me lever avec les mains, genre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc on refait, ça fait 1 et 2. Là, j'ouvre 3 et 4. D'accord? Encore une fois, 5, 6, 7. Allez, et 1 et 2. 3 et 4. Encore une fois, 3, 4. 1 et 2. 3 et 4. Et là, ça va faire. Je vais attraper avec ma main. J'attrape avec ma main. Et en même temps, je vais faire ma jambe droite. Vous avez vu, c'est main droite, jambe droite. Hop. Et mon pied gauche, je vais y taper dessus derrière. Bam. Donc ça fait jambe droite, main droite, j'avance un peu et je laisse la place pour checker mon pied gauche. Et pareil avec la main gauche, donc pied gauche, main gauche, et je check mon pied droit. Donc vous avez remarqué, on croise et on croise et. On refait tout ça. Ça fait 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et. Le 7 et 8, c'est rapide quand on a fait 5 et 6 et. 7 et 8, donc là j'ai fait 3 petits pas sur le côté, droite, gauche, droite, et je vais vers la droite, mais en fond, je ne vais pas sur le côté, hein. Je vais vraiment vers l'arrière, 3 et 4, je ne sais pas trop si vous voyez sur la vidéo, c'est pas évident, et mes mains qui sont là-haut, d'accord, 3 et 4, ok, juste on a les bras en haut, boum, 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 version monsieur muscle, si vous voulez, donc on refait tout ça, ça fait 1 et 2, 3 et 4, et là, on a dit 5 et 6 et 7 et 8. À 8, je ramène ma jambe. Je vais mouliner comme ça en descendant. Et mon pied, vous avez remarqué, hop, en même temps, il part sur le côté. Comme j'étais là, ma jambe gauche est devant. Et bien là, maintenant, elle va partir en arrière. Et comme ça, hop, j'ai juste à pivoter sur le côté. Donc, je refais. On était là. Je mouline jusqu'à ce que je revienne donc de ce côté, vers la gauche. Combien de temps? Oh, 8 minutes 37, elle sera plus longue, tant pis, sera longue à se télécharger. Donc, on est là, ta 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 ta, hop. Et ensuite, je vais reculer, hop, stop, à gauche, stop. Donc là, je recule un coup avec la jambe droite vers l'arrière, un coup avec la jambe gauche vers l'arrière. Ça, on l'a fait dans une choré pour certains qui l'ont vu, celle de Justin Bieber, quand on fait ta-na-na, celui-là, là. Voilà, quand on fait ça, on part vers l'arrière, c'est la même chose, hop, d'accord. Et ici, quand je pars vers l'arrière et que je pars vers l'arrière, je vais donner des coups de coude. Genre, boum, et, boum, et. D'accord? Donc, je pars à l'arrière d'un coup et je donne un coup de coude vers l'avant. Les coups de coude vers l'avant. On refait juste ça. On a dit 1 et 2, 3 et 4, et 5 et 6, et 7, 8. Mouline, 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 change de direction. Pousse et... pousse et là ça va faire, juste pour finir le pas, je vais remonter mes genoux, ça va faire genou, genou. Mais en fait, quand je ne monte pas trop trop le genou, c'est mon pied qui glisse au sol et je remonte mon genou. Regardez comme ça, hop, je glisse à peine au sol, d'accord? Et en même temps, je vais faire ça avec mes mains. Juste je pousse, 1, 2,
Et en même temps, donc, je glisse et je remonte mon genou. Si on fait en même temps, ça fait pouce, pouce. D'accord? Donc, quand j'ai fait coude et pouce, pouce, stop. Voilà, d'accord? On refait. Donc, j'ai dit, on était là, bam, 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 et mouline, 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 mouline. Pousse et hop, hop, pause. Maintenant, on essaie de faire ça en musique pour que la vidéo ne soit pas trop, trop longue. Donc, je recule un peu. On va faire mieux, on va tout faire une fois d'affilée. J'espère que je ne me tromperai pas. C'est pas dit ça. Allez. C'est parti. Encore un tout petit peu. Allez, avec l'intro et tout, tout, tout. On n'a fait pas en trop de temps. 11-12 minutes, ça va. Allez, travaillez bien et puis surtout continuez parce que c'est pas facile de se motiver. Alors motivez vos frères, vos sœurs, papa, maman, qui vous voulez, vos copains, voilà. Allez, salut !